Bien, maintenant, eh ben écoutez, vu que la quête de Nishka est faite, je serais chaud, tant qu'on est dans les quêtes de personnages, je peux te pardon, yes, pour partir ici, dans les montagnes de l'épée, afin de réussir la quête pour une des quêtes de notre cher Khelgar. Je pense que je vais garder ce. Ouais, allez. Je vais garder ça, cette config. Et on va y aller comme ça. Non, pas la porte. Pas la porte. On repart là-bas. Faire quelques petites quêtes de personnages, ça peut être bien. Et ça rapporte de l'XP. Et ça va être très très bien. Surtout que. Là, on peut tenter le niveau 10 sur le personnage principal. Ce qui serait une excellente chose. Donc du coup, transition vers les montagnes de l'épée, vers la clairière Point d'Anel, qui est un donjon en deux parties, une partie extérieure, une partie intérieure, il me semble. Le clan Arracheuil, les ruines. Alors c'était où? Château en ruine, comme mon imbrigant. Éclairorn, voilà, ici. Voilà, donc on était ici avec Kunmar, Éclaireur, etc. On va s'en remettre un petit coup d'histoire. Si vous n'êtes pas entré dans le clan, vous n'avez rien à faire ici. Oui, j'y travaille. Ah, au rythme où vous allez, Méga et moi, on aura assez récupéré pour nous en charger. Mais non, mais non. Alors en gros, on est là, on doit faire tout un chemin comme ça jusque là-bas, et après il y aura encore un donjon. Sachant que les créatures, au niveau où on était, les créatures étaient assez fortes. Sauf que là, bah, on est beaucoup plus fort. Le jeu, je le connais un peu mieux. Et donc, ça va pas être la même. Surtout ici, où je crois qu'il y avait une embuscade. Ouais, je l'avais fait, il y avait une embuscade, je m'en suis tiré, mais... En claquant des jambes. Faut y aller en douceur, faut y aller en douceur. Tout observer. Ça, c'est là où j'étais mort, il me semble. De mes frères abattus par les gobelours. Si Kulmar a raison, nous autres Point d'Anel, nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres membres de notre clan. Si j'avais été à la tête de cette expédition, on ne se serait pas fait prendre par surprise par les gobelours. Ça, je te le garantis. Il y a au moins ça. Je ne laisserai pas tomber mon peuple. Bah, il est mort au combat. Je déshonore sa mémoire en pleurnichant. Voilà, c'était ça, une embuscade. Une embuscade bien nulle. Un autre nain. Notre appât marchait comme prévu. Vous allez payer pour sa mort, pour les points d'Anel. Alors, là, attaquez-lui. Attaquez-lui, attaquez-lui. Faut que je me dépêche. Voilà. Hop. Non. Ah. Ah. Au secours. Ok. Hop. Là. Faut que je fasse très attention avec ce que je fais. Ok. Ça marche bien. Et là. Hop. Ça marche bien mieux. Il y en a encore un ici. Voilà, impeccable. Je peux le faire. Kara qui a survécu avec ses points de vie. Alors non, 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 il faut pas utiliser. Ouais, utilise pas tes potions maintenant, please. Hop là, le repos. Utilise pas tes potions, Kara, s'il te plaît. On en aura besoin pour plus tard. Oui. Bien, fouillons un petit peu tout ce qu'on a. Ah bah tout. Potion de soin, c'est très bien, très utile. Des petites pièces d'or. Des billes de front, oui, bah à la limite, je la rendrai.
Ah, au secours, le drop, please, merci. Potion de soin, ah c'est bien si je me refais quelques petites potions de soin. La pièce verte et tout ce qu'il nous faut. La suite du chemin, elle est là-bas. Nouvelle sauvegarde, au cas où. Et on y va, let's go. De ce côté, ah, de ce côté, on a des gens. Alors, tout le monde attaque. Toi, tu restes là. Voilà. Alors, ça fait toujours un petit peu de bruit, je suis navré. Et toi, hop là. Parfait. Alors 26 d'XP à mon niveau, bon, on va me dire c'est pas très utile. Certes, mais c'est toujours 26 d'XP. Et l'expérience, c'est super important. Ça s'est bien passé. Bon, au vu de mes points de vie que j'ai absolument pas perdu, pas la peine de refaire un petit repos. Alors les gars, je vous remets un coup de... Suivez-moi. Merci. Ah, j'en vois là-bas. Il y en a 1, 2, 3, 4 et peut-être même 5. Et let's go, c'est parti. D'accord, je m'en charge. Bon, vas-y, fais tes petits sorts. Et go. Hop, là. Hop. Ah, il perd pas mal, il perd pas mal. Hop, et le dernier, c'est bon au niveau cac. Voilà. C'est tout bon. Ah. J'ai vu une flèche qui est partie de je ne sais où. Non, c'est de bon, c'est tout bon. Parfait. Un parchemin, bah je vais le prendre. On a un campement. Oui, un campement, ça a pas l'air d'être des orques, donc il semblerait, attention, peut-être que c'est pas frais piégé. Mandoline, potion de savoir, et ça. Ah bah ça tombe bien si j'ai une potion de savoir. Eh ben... savoir sur bah sur cet objet du coup. Examiner, potion de savoir utiliser. Compétence augmentée, ouais. Alors, par barre de convocation de créatures, disparition de magie, utilisable et soins importants. Elle peut l'utiliser complètement. Du coup, je vais mettre ça ici. Et je peux... voilà. Ah, il faut que je m'en équipe comme ça. Ah, ça change tout. Alors là, ça change tout, en effet. Donc, tac, tac. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Très bien. Bon, petit repos. Bah, du coup, si ça agit en effet comme une arme, c'est pas ouf, hein. Donc, ouais, je vais m'en. Non. M'enlever. Hop là. Et on va continuer du côté où je suis caché. Donc c'est par là. Non, là, les gars. Là, ici. Voilà, on s'enfonce un peu plus. Encore là, un autre campement de gobelours. Ah, que je peux discuter. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je pense savoir ce qui va se passer. On va se régaler avec toi petit, on n'a pas mangé de la nain depuis des semaines. Faites-le rôtir, plus sa peau d'or, faites-moi sortir de cette cage. Ouais. Il suffit, et on l'entendra même couiner. On dirait que vous allez mourir le ventre vide, sale monstre, là je ficherai le camp de la viande. Go. Kara, 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 hop là. Sur eux. Ah, Kara. Vas-y, go Kara. Hein.
ici. Beau travail, j'aurais aimé pouvoir sortir de cette cage avant qu'ils ne meurent tous. Tu dis ça. Tu pouvais l'escalader, mec, please. J'ai horreur de rater un bon combat, vous allez bien. Quelques ingénieurs, les miens ouvriers, ils sont restés derrière dans le canyon, merci de m'avoir fait. J'aurais quelques questions à vous poser. La demeure du camp pour l'ANL. Oui, j'ai eu des signes qu'on était sur la bonne piste, des bas-reliefs. Tout ce que je sais, c'est que si ça ne mène pas à la demeure pour l'ANL, le clan a vécu dans le coin à un moment ou un autre. Les gobelins travaillent-ils avec les orques? Ok, quelqu'un les dirige à la baguette, on les envoie voler de la nourriture, on leur donne des ordres. Très bien, donc ils sont utilisés par quelqu'un. Gros chapelet surprise, ça peut dire maman, s'ils ont une mère, c'est bâtard. Très bien, eh bien, je vais ouvrir cette serrure. C'est un honneur, et au revoir. Bien d'influence auprès de quel gars? Ah, c'est un honneur qu'il te fait, il faut dire que l'hospitalité et la gratitude chez nous, c'est une chose légendaire. Content d'avoir envoyé un et bien attends, je croyais que tu avais quitté les Pournelles pour venir à Pas d'Hiver. Je n'ai pas abandonné mes frères, ah bah pour venir pour l'hiver. Je n'ai pas quitté longtemps, je suis allé chercher la bagarre de mon côté. T'as quand même un devoir envers ton clan. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est de mon honneur que tu parles, de ma loyauté que tu mets en doute. Osez dire que je suis venu ici pour mes propres comptes, non pour les miens, pareil, Dieu la voie du carré, hein. C'est. J'en essaie de discuter avec toi. Ah. Là, ça doit faire partie de la quête, ouais. Ça fait partie de la quête de Khelgar. Moi, je suis 100% sûr et certain sur ce point. Potion de peau d'écorce. Ah, alors ça, tu vois. Ça va, c'est très très bien. Les potions de peau d'écorce pour Nishka. C'est très bien, ça. Hop là. Pas besoin de... Oui, pas besoin de faire un repos. On s'aventure encore un petit peu. On fait attention. Je vais faire quand même une petite sauvegarde. Qu'est-ce qui nous attend un peu plus loin? Ah, campement. Gobelour. Il m'attaque. C'est... Il y en a un qui m'attaque. Il y en a un qui m'attaque. Il y en a deux qui m'attaquent ici. Il y en a trois, quatre, il y en a même quatre. Alors attends, ce qu'on va faire c'est que hop. Hop là. Voilà. On en refait une autre. Please. Parfait. Toi, 7. Ici, il y en a deux. Hop, et toi. Ah, tu passes par là, oui. C'est bon, y'a plus personne. Y'a plus personne, les gars, calmez-vous. Ça se passe tellement beaucoup mieux. Et je suis très content de ça. Nous avons affaire ici à un campement. Très bien. Très très bien. Donc, du coup, au-dessus, c'est là où c'est. Connard, m'ont battu. Il y a quelque chose ici et quelque chose par là, donc je vais aller voir, c'est un campement. Carreau d'arbalète, oui, bah ce sera à vendre. Arbalète légère, ça va être Khelgar qui va prendre ça. Arbalète légère, tiens, je te rappelle que tu es un sac. Carreau de poison moyen et carreau plus 1. Carreau de feu, ah oui, ils sont quand même bien équipés ceux-là. Des flèches, des billes, des carreaux, un arc lent, une... Albarde. Oh. Matériau métal en fer froid. Oh, ça c'est très intéressant. Oui, il a encore du... Il peut encore prendre des trucs, lui. Des billes de fronde. Je pense que ça, je vais les déposer. Au final, ça sert à rien. Les billes de fronde, vraiment, c'est le truc useless. Très bien. Très très bien, une hallebarde. Mais attends, la hallebarde, petite question, ça te donne... Oui, tu peux maîtriser des hallebardes, ok. 1 des 10 avec un critique x3, et là c'est 1 des 12 avec un critique x3. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Je garde quand même ces marteaux-là, parce que... C'est quand même tout pété, ça. Ici, nous avons le campement... Où ils étaient réfugiés, très bien. Et si je continue dans cette direction, je devrais accéder
au clan Point d'Anel. Très bien. Un petit repos juste avant, histoire de s'en remettre bien. Oui. Et on y va. Non. Ah, je suis en train de me tromper de touche à chaque fois là. J'envoie 1, 2, 3, j'envoie 4 trolls là-bas. Go. D'accord, je m'en charge. Non mais go. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont rendre, quel gars. Go. Ça m'a l'air presque bon. Toi, je vais t'en prendre une. C'était pas la bonne touche, c'était le 7. Ok. Très bien, et ben voilà, on y est là au clan des points d'Anel en fait. Ça c'est une entrée de grotte. Complètement une entrée de grotte. Pas de petit cadeau. Pas de. Non, rien du tout. Parfait. Alors, le dernier repos avant d'entrer dans cette grotte. Ça allait assez vite pour le moment, donc ça me convient. Et reprendre. C'est parti pour cette petite grotte. Oula. Encore une autre patrouille. Et retrouver ses nains jusqu'au dernier. On en trouvera peut-être aussi des orques. On en a assez de les éviter, Groun. Je vous l'ai déjà dit, laissez les orques tranquilles. Laissez-les s'entretuer avec les humains. Oh. Débusquer les nains, je dois faire savoir à mes frères qu'ils sont ici. On dirait qu'on n'est pas bien caché que ça. On n'est pas bien caché que ça. Bah, vous êtes pas caché du tout, les gars. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, les gars, please. Oh, les gars, au secours. Faites quelque chose, nom de Dieu. J'aurais dû faire le sort 6, ouais. Ah, yes, voilà. Putain. Y'a qui l'autre? Toi, ici, mange. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il y a... Personne d'autre pour le moment, on va se reculer. Kara, bouffe pas tes potions, nom de Dieu. J'ouvre la route. Contentez-vous de suivre. Ok. Ouais, ça a l'air d'être une petite grotte. Par contre, Kara, faut que t'arrêtes d'utiliser tes potions. Vraiment, ça me vénère à un point, ça. On a une petite, un petit drop ici. D'accord, 4 pièces d'or, là on a la suite, on voit rien du tout, je ne vois que dalle avec tout ça, et là ça a l'air d'être une réserve avec un coffre. Coffre partiel, qu'est-ce que c'est que ça? Cet étrange mécanisme semble appartenir à une machine de plus grande taille. Ça ressemble à une petite énigme, mais alors vraiment petite. Il y a une porte ici. La bagarre. On va enfin se marrer. De nouvelles cibles. Enfin un peu d'action. Ah, non. Ah, merde. Ah, la vache. Comment ça, c'est... Tous ces sorts sont bloqués. Mais au secours. Fais un sort, please. C'est vraiment la pire personne là. Voilà, merci les gars. On va continuer d'explorer un petit peu tout ça. Au moins explorer. Ça c'est tombé, ça c'est éboulé. Et là-bas, ça mène sûrement à une autre porte. Donc quelque chose de plus important. Et ça, ça mène quelque part. Où je me fais attaquer. Un garde, parfait. Là-bas.
là-bas, vite, go, 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 on avance, on avance, on avance. Ok. Il y a une porte là qui est fermée. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Ah, des ennemis sont proches, donc on va tout simplement vérifier que là c'est bon. Et je voudrais revenir à cette porte qui avait tout là-bas. Nishka, merci. Voilà, déjà comme ça. Niveau XP, ça va avancer, ça avance tout doucement. La porte juste là m'intrigue énormément. Ah, attends, attends, bouge pas, bouge pas. Quelques piécettes. Cette porte m'intrigue. Ouais. Oui. On va aller voir. Let's go. Un couloir. Un couloir. Un couloir avec une porte. C'est sûrement une pièce. Mmh. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des couches par terre, des couchages, d'accord. Une étrange machine. Un pilier peut-être. Bizarre. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ça doit pas être très important selon la carte, mais ça me... Il y avait rien ici. Parce que là, il y a un petit creux. Non, c'est juste du ouais. C'est juste une partie qui s'est éboulée. Pas juste une porte ici, très bien. Alors on va l'ouvrir. J'attends que tout le monde arrive. Des couloirs. Des ennemis ici. On y va. On y va. Bah on y va en fait, les gars. Prenez le garde. C'est bon, bon, tout va bien. Ça, ça s'est éboulé, c'est le chemin qui était là, ok. Ça, ça m'a l'air d'être la suite. Donc on va pas y aller maintenant, on va explorer ce passage. Il va sûrement y avoir d'autres personnes, des autres gobelours. Une grille. Et un éboulement ici, très bien. La grille, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? À mon avis, ça n'est pas de fabrication naine. Trop compliqué. Si c'est une serrure, c'est la plus tordue que j'ai jamais vue. À mon sens, ça ouvre la porte. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est-à-dire? Possible. Bon, je vais essayer de voir où elle va. Si ça ouvre la porte, il y a intérêt à ce qu'il y ait un trésor derrière. Nous ne venons pas piller mon clan, démon. On n'est pas là pour... On n'est pas des charognards, oh. Mais je gaspille mon talent dans cette histoire s'il n'y a pas de trésor à la clé. Attention aux mains baladeuses quand on franchira cette porte. Le chef a raison, on n'est pas des vautours. Voilà, je pense avoir compris où va cette pièce. Bon, reculez que j'enclenche le bidule. Oui, ça marche. Ça a l'air de marcher, mais... Qu'est-ce que c'est? Oh, 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 oh. Ouais. Alors, non. Non, non, non. Pas de suite.
Le boss, il est par là. Je... D'accord, c'est la pièce qui était là, très bien. Du coup, avant de voir Jean-Mi, là, le golem, le bon gros golem, assez ouf, on va explorer par là, voir ce qu'il y a. Intéressant tout ça. Attendons de voir comment ça se passe. On s'est déjà mis d'accord, Pashtak. On fait part égale. C'est moi qu'on ait tué le plus. Je mérite le plus d'or. On a tué deux des nains, Pashtak. Et j'en ai tué un. Donc je prends le gros de l'or, avec Morgrim. Et si je te tue, je prends ta part. Vas-y, on n'a pas besoin de Pashtak. Bon, Pashtak me cède sa part. On partage à part égale. Bon oh bah salut les mecs hein. Même pas besoin d'utiliser un sort hein. On est passé de 6 à 2. Ouais par contre les gars ouais. S'il vous plaît, merci, bonsoir hein. Bon bah moi je prends votre part à tous. Ah là, j'ai réussi ma petite cachette. Très bien. Ah ouais, un tas d'or, ouais. Ah ouais, le tas d'or, ouais. Défense de gobelours. Oh. 800 balles. Ils ont tué combien de nains pour savoir, là. Ah, il y a une porte ici.